gadget génial pour libérer les tensions au niveau de la main et du bras qui s'appelle Sujok. Ça, c'est la bague Sujok et ça, c'est le bracelet Sujok. Ça va être un outil souverain pour libérer les tensions de la main et de l'avant-bras, comme je viens de le dire, et pour permettre l'intégration, entre autres, du réflexe d'agrippement et de tous les réflexes qui ont lieu au niveau de la main et du bras. Accessoirement, bien sûr, si je puis dire accessoirement, ça va vraiment libérer les tensions dans tout ce qui est écriture, motricité fine. Donc pour tous les enfants qui ont des tensions au niveau de l'écriture, de la tenue du stylo, cet outil est absolument génial. De même, si vous passez beaucoup de temps, vous, à écrire, faire de la manipulation fine, ou beaucoup de temps à faire des SMS ou de taper au clavier, et qu'en particulier vous avez des tensions dans la main ou dans le poignet, je vous recommande fortement l'utilisation de cet outil, et je vous montre tout de suite comment on fait. La manière de procéder est simple, on va tout simplement faire rouler la bague sur chaque phalange de chaque doigt. Ce que je fais, c'est que je peux faire par exemple une dizaine de mouvements première phalange, une dizaine de mouvements seconde phalange, et ainsi de suite. Et puis, avec mon autre main, je fais un peu une pression sur la bague Sujok pour ajouter de la compression, et je peux doser cette pression. Vous procédez ainsi, évidemment, pour chaque doigt, des deux mains. Y compris si vous avez des tensions dans une seule main, on aurait tendance à vouloir faire que cette main-là. C'est une erreur. Il est important pour le cerveau d'avoir les informations provenant des deux côtés du corps. Donc faites systématiquement les deux mains. Donc voilà, chaque doigt, y compris le pouce, et puis ensuite vous passez de même à l'autre main. La petite bague peut être à disposition dans la trousse de crayons de l'écolier, sur votre bureau, dans une poche, et puis à un moment perdu, dans le métro, dans le bus, lors de pause, vous pouvez, pendant une conférence qui vous barbe, vous faire un petit peu les points de la main. On va procéder de la même manière avec le bracelet, que l'on va cette fois-ci faire passer au niveau du poignet, et tout l'avant-bras est roulé le long de l'avant-bras. Même chose, des allers-retours. Je vous invite à faire un côté, de bien faire un côté au niveau d'une main et de l'autre avant-bras, puis ensuite de sentir la différence en comparant les deux mains. Vous allez sentir une grande circulation, beaucoup de, souvent de sortes de chaleur ou de picotement, de libération. Ça fait un bien fou. Et là aussi, à temps perdu, c'est un bracelet magnifique qui peut être porté et qui, soyez-en sûrs, apportera beaucoup de commentaires.